Alors bonjour à tous, je m'appelle Franck Dormois et je produis le rhum La Favorite en Martinique et je vais interviewer aujourd'hui Manu Théa, monsieur Manu Théa. Étienne. Voilà. Alors moi je suis en charge du développement commercial chez Manu Théa et puis maître de chez et on est une toute nouvelle maison dans l'univers du rhum puisqu'on a démarré nos premières distillations en 2015 et on a surtout la chance et le plaisir de vouloir valoriser à la fois un terroir et des variétés de canne qui sont endémiques à la Polynésie, tout simplement parce que notre canne à sucre est arrivée en Polynésie il y a 1500 ans sur les pirogues doubles des premiers Polynésiens et c'est une canne qui n'a pas évolué ou très peu depuis son introduction, qui n'a pas subi d'hybridation parce que pas de pression de l'industrie sucrière et donc on rattache nous dans nos différents jus et différents produits à rester proche de cette canne originelle. On a sur le stand aujourd'hui deux déclinaisons en blanc qu'on trouve aujourd'hui sur le marché métropolitain et je présente deux nouvelles déclinaisons, un élevé sous bois qui a séjourné dans une barrique qui a contenu de l'extrait de vanille et puis un vieux 3 ans pour part en barrique de Bourbon et pour part en barrique de Banyuls qu'on assemble avant la mise en bouteille. Très bien, alors ça paraît très très bon et donc tu disais donc ça a contenu des extraits de vanille cette barrique donc pour l'élevé sous bois. Et ça donne ce côté vanillé un petit peu au rhum ? Effectivement, sur le Vanilla Tahitensis, qui est encore une édition limitée, puisque des barriques qui ont servi à fabriquer de l'extrait de vanille sont encore rares, l'extrait de vanille est resté 3 ans dans la barrique. À l'origine, une barrique neuve Taranso, fût de chêne français. Et cette barrique, on la récupère et on y positionne le rhum qu'on entonne à 60-62 degrés. Et on va le déguster chaque mois. Et on ne voulait pas que la vanille soit trop prégnante, pas que le rhum soit trop capiteux. Ça n'est pas un rhum arrangé, on garde un profil agricole. Mais les douelles de la barrique vont transpirer la vanille. Et on a cette subtilité vanille qu'on trouve sur le nez et notamment en fin de bouche aussi. Eh bien écoutez, moi ça me donne vraiment envie de goûter tout ça. Donc si ça te dit, moi j'ai vraiment envie de goûter d'abord tes blancs et puis ensuite tes élevés sous bois. Merci Étienne.